J'ai bénéficié du module de préprofessionnalisation qui s'intitulait Sensibilisation au métier de l'enseignement en deuxième année de licence. Donc ce module s'articulait en deux temps. Dans un premier temps, c'était 18 heures de cours où j'ai pu découvrir Maria Montessori, Jean Piaget, pour découvrir la pédagogie ou encore l'évolution de l'école à travers l'histoire. Le deuxième temps d'articulation de ce module était en quelque sorte la pratique, puisqu'on a pu effectuer une semaine de stage. Donc à la fin de cette semaine de stage, une des enseignantes, sachant que je venais de licence d'espagnol, m'a permis de mettre en place une séance de sensibilisation à l'espagnol avec sa classe de CM2. Donc tous ces facteurs ont fait que j'ai pu valider mon choix d'orientation en découvrant notamment l'aspect pédagogique, qui représente un challenge pour ce métier, et également de le consolider et valider ce choix. Et maintenant, pour les premières années de carrière, j'aimerais me familiariser davantage avec ce métier. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre tout au long de la carrière et beaucoup de choses à perfectionner. Donc pour ce faire, j'aimerais également construire une réelle réflexion et des outils adaptés en découvrant d'autres classes, d'autres niveaux de classe, d'autres élèves et adapter sans cesse la pédagogie qui doit être adaptée aux élèves et à la classe à laquelle on est confronté. Et enfin, j'aimerais également évoluer dans ce métier, puisque c'est un métier qui propose beaucoup d'évolutions de carrière. Pourquoi pas me spécialiser dans un niveau particulier ou dans un milieu particulier? Donc, dès mes années lycée, j'ai voulu m'orienter vers le professorat, parce que c'est mes professeurs qui m'ont un peu influencée, mais également parce que j'ai vraiment le désir de transmettre et de m'entourer de jeunes gens. Et c'est aussi le fait d'être passionnée par la littérature qui me pousse à vouloir transmettre un savoir et à vouloir m'orienter vers cette voie. Donc, en arrivant en L3 Lettres modernes, j'hésitais à faire professeur des écoles ou à m'orienter vers le secondaire. Et la pré-pro m'a permis de faire un stage. Et c'est vraiment ce stage qui m'a permis de déterminer mes choix, puisque j'ai découvert que c'était vraiment la discipline du français qui m'intéressait et la littérature, et que je préférais surtout m'entourer de jeunes adolescents plutôt que de jeunes enfants. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que je n'avais pas envie de faire de la pluridisciplinarité, mais que c'était vraiment la littérature qui m'intéressait, et donc le secondaire.